C'est vrai qu'on est venu à Gérardmer pour faire une grosse promotion pour le Bloody Weekend. Et du coup, on n'a pas vu vraiment beaucoup de films. Bon, en gros, les films qui m'ont marqué spécifiquement, on a Motors Day aussi, Ouais, le remake de la section extrême. de la section extrême du film de Charles Kaufman, qui à l'époque m'avait beaucoup touché étant jeune. Donc, on retrouve en gros un scénario assez sympa avec une Rebecca de Mornay. Fait plaisir de la revoir d'ailleurs, parce qu'on l'avait un peu oublié. Le film est assez trash, c'est-à-dire qu'on a quand même des scènes graphiques au niveau des meurtres, une bonne interprétation des acteurs. Après, dans les 3-4 films que j'ai vus, parce que j'en ai pas vu vraiment beaucoup, il y a un film très intéressant sur l'univers post-apocalyptique, avec une histoire de survivant qui déambule un peu dans un monde où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a eu un virus, une pandémie ou autre. Donc c'est The Day, donc de Douglas Aronofsky. Vraiment un film très très, très, très intéressant, avec une belle image, une belle photo, une super bande son, une belle interprétation des acteurs. Et c'est vrai qu'on pense souvent à des films comme La Route, ou des films qu'on utilise un peu cet univers post-apocalyptique. Une belle surprise, réellement un film à voir. Donc le Bloody Weekend, on attaque la troisième édition, après les deux dernières éditions très réussies. Donc cette année, la thématique, c'est la science-fiction post-apocalyptique. Les dernières étaient, le thème central était le vampire, et l'année d'avant, donc le zombie. Donc là, on est dans la fin du monde, on va dire, on s'y approche à grands pas. Donc là, ça sera le 6, 7, 8 juillet. En amont, il y aura toujours la visite du musée Giger. On le fera le jeudi, donc ça sera une option pour le festival. Toujours la compétition de court-métrage qui va s'étoffer. C'est-à-dire que cette année, on aura en gros une trentaine de films en compétition. On aura une section hors compétition. On aura une section animation aussi, parce que le Bloody Weekend cette année se veut proche de la jeunesse. On a une ouverture donc à la jeunesse, au jeune public, avec un atelier enfant, un concours de dessin, un concours de sculpture, toujours plus d'exposants. Donc cette année, je pense qu'on va atteindre les 70 exposants, donc le triple de l'année dernière, sculpture, littérature, peinture, beaucoup de gens qui travaillent dans le local, les quatre coins de la France aussi, sans oublier l'Europe, des Belges, Suisses, c'est assez éclectique. Ensuite, on aura aussi des longs métrages, donc des avant-premières, des films qui sortiront peut-être jamais en France, parce que dû aussi à leur côté un peu ultra-violent, on aura aussi une petite section extrême dans les courts-métrages, donc court-métrage, comme le nom l'indique bien. Au niveau des invités cette année qui composent le jury au jour d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de travailler sur d'autres personnalités, et donc comme tout le monde a encore, sur des réalisateurs, des acteurs n'ont pas encore leur date de festival ou autre. Donc cette année, on a Alain Chlokhov qui revient pour la deuxième année, donc fait partie du jury. On a le réalisateur Benjamin Rocher, on lui Réalisateur doit de la Horde, co-réalisateur de la co-réalisateur Horde. avec Yannick Dahan de la Horde. On a Olivier Afonso qui va représenter le staff maquillage effets spéciaux. On a travaillé sur plusieurs films, Frontières également de Xavier Jeance. On a Bobby Rhodes, notre guest étranger qui a joué entre autres dans Démons 1, Démons 2 de Lamberto Bava. On a aussi Philippe Naon qui revient, Philippe Naon qui est le parrain du festival. Hein. On a encore d'autres personnalités comme M. Bertolanzi, Ruggero Deodato et une autre personne, je ne vais pas citer, en touchant du bois qu'elle puisse venir, qui serait présidente du jury. C'est vrai que nous, par rapport à la promotion du Bloody Weekend, on a rencontré différentes personnes sur différents festivals, que ce soit Gérardmer, bientôt le BIF. On va être exposants à Bruxelles qui fête leur 30e année. Donc ça va être un anniversaire assez. Il va y avoir du lourd, comme on dit. On aura peut-être fait un tour à Cannes aussi. Et puis d'ici là, on fait des soirées découvertes dans chaque ville, en Franche-Comté. On fait découvrir le cinéma fantastique par voie pédagogique et ludique. Et on a une grosse soirée tueur en série le 24 mars, en partenariat avec les cinémas d'aujourd'hui. Donc sur les tueurs en série, en présence de Stéphane Bourgoin. Je crois que tu as mis en place une conférence, hein, tu en as déjà fait deux, on a pour déjà faire fait... connaître un petit peu le cinéma de genre, pour sensibiliser. Tout à fait, on a déjà fait trois conférences dans trois villes différentes, parce que le but c'est quand même de bouger, d'être mobile. Et les prochaines auront lieu à Besançon, il y a Dijon je crois aussi. Donc c'est vrai qu'on va au-devant du public, on leur explique un peu en gros ce qu'est le cinéma de genre, cinéma fantastique, par voie pédagogique, avec des quiz. C'est assez instructif, assez intéressant. Et du coup on fait la promotion aussi pour le festival Bloody Weekend.